Bonjour à tous. Merci à celles et ceux qui sont encore debout de bien vouloir s'asseoir. Nous allons débuter ce troisième grand plateau de ce premier jour du Forum économique breton. Un grand plateau, c'est quoi ? L'idée, c'est de mettre plusieurs personnes autour, faussement d'une table en tout cas, pour pouvoir avancer ensemble la thématique que l'on va, sur laquelle on va travailler pendant 45 minutes. Comment saisir les opportunités de développement à l'international ? Alors quand on voit cette vue magnifique et ce beau soleil, on n'a pas très envie de partir à l'international, mais on va quand même y aller. Je m'appelle Céline Monsalier et je suis directrice de la rédaction du site entreprendre.bzh. Pour évoquer ce thème avec moi, je vais accueillir tout de suite Philippe Bonafous, qui est responsable pôle d'activité économique à la direction régionale des douanes. Lydie Carnis, s'il vous plaît, qui est déléguée internationale pour la région Bretagne chez BPI France. Fabrice Sachet, qui est porte-parole du MEDEF, bienvenue. Et Jean-Christophe Piot, président du comité Bretagne du Conseil commerce extérieur. Bienvenue. Je vous invite à me rejoindre. Voilà, mettez-vous à ma droite, c'est avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce grand plateau sur les opportunités de développement à l'international. Alors, il s'avère que l'actualité tombe bien pour ce Forum économique breton. Nous avons eu la semaine dernière les annonces du plan de relance et nous avons eu hier, par notre Premier ministre Jean Castex, l'annonce du plan relance export de 250 millions d'euros. On avait évoqué ensemble, quand on a préparé ce grand plateau, notamment les freins à l'export. Les entreprises bretonnes à l'export, ça représente plus de 3000 entreprises. J'ai envie de me tourner tout de suite vers vous, Lydie Carnis. Bonjour. Bonjour. En tant que déléguée internationale pour la région Bretagne chez BPI France, quand on en a discuté ensemble, une des premières choses que vous m'avez dites, c'est finalement les entreprises ne sont pas si bien informées que ça quand elles veulent aller à l'export. Et ça fait notamment partie des cinq axes, développés pour le plan relance export. Oui, tout à fait. Je tiens à préciser, donc la ressource est très importante. Le fait de pouvoir avoir l'information, surtout dans ce contexte actuel de Covid, la plus précise de l'évolution par pays est primordiale. Et c'est vrai que donc le gouvernement a souhaité mettre l'accent sur l'information la plus précise. Et dans le cadre du plan de relance, un volet spécialement dédié sur le sujet. Et je pense que ça doit être un des vecteurs importants qui permettra aux entreprises de continuer de se tourner à l'international, puisque c'est très importante et ça fait partie pour nos entreprises d'un axe de développement fort. Et on sait que celles qui ont le plus résisté face à la crise sont celles qui étaient tournées à l'international. Jean-Christophe Piot, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc conseiller au commerce extérieur. Votre rôle, justement, c'est un peu d'être un mentor, d'être un coach pour les entreprises pour pouvoir aller vers l'export. Oui, c'est un peu ça. On peut dire deux mots des conseillers du commerce extérieur. Mais je vous en prie. On n'est pas forcément connu par tout le monde. Donc on est des bénévoles, chefs d'entreprise ou cadres dirigeants de groupe. Cadres dirigeants, c'est rarement de PME. Tournés résolument vers l'international. On est nommé par le Premier ministre pour une période de 3 ans. Et on est totalement bénévole. On paye même pour être conseiller du commerce extérieur. J'ai le plaisir et l'honneur de présider le comité Bretagne. Et on a 4 missions régaliennes. La première, c'est le mentorat. Donc, c'est justement coacher, parrainer des entreprises, en général des TPE ou des PME primo-exportatrices. Donc, leur donner un certain nombre de repères, faire du partage d'expérience. Donc, on fait partie, on est dans le maillage de la team France Export. Le deuxième point, c'est aider les jeunes, donc former, enfin participer à la formation de jeunes à l'international. Le troisième, c'est l'attractivité du territoire, et plutôt du territoire breton. C'est surtout ce qui nous intéresse, nous, mais le français autrement. Et le dernier point, c'est conseil au pouvoir public. À partir du moment où on considère qu'un dispositif n'est pas bon pour les sociétés bretonnes en particulier, mais françaises en général, ou qu'il manque une mesure incitative dans les dispositifs, on remonte une note au ministre du Commerce extérieur, et puis voilà, on essaye de faire bouger les lignes, de temps en temps, on les fait bouger. Oui, j'ai l'impression que vous essayez, en tout cas. Fabrice Sachet, bonjour, porte-parole du MEDEF. Bonjour. J'évoquais le chiffre de plus de 3000 entreprises qui exportent en Bretagne. Comment on fait pour multiplier ce chiffre? Comment on fait pour que les entreprises bretonnes passent le pas et passent le pas de l'international? Déjà en parlant, je crois qu'aujourd'hui vous avez choisi l'international comme thème. Je vous en félicite parce que
on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi des entrepreneurs parlent d'international alors même que les frontières sont fermées? Alors même que pour voyager aujourd'hui au Vietnam, en Chine, en Colombie, c'est compliqué. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de parler d'international? Est-ce qu'on ne devrait pas mieux s'occuper de nos problèmes? Alors, pourquoi on parle d'international? Et pourquoi au MEDEF, ça nous intéresse l'international? Pourquoi on s'engage sur l'international? Tout d'abord, parce que c'est défensif. On a noté que pendant cette crise, les boîtes qui s'en sont sorties le mieux, ce sont celles qui sont les plus diversifiées. Parce que tous les pays n'ont pas été touchés de la même façon, au même moment, avec la même intensité. Tous les pays n'ont pas une structure économique semblable. Et donc, on a des entreprises, notamment au sein de Stratexio, industrielles, qui ont continué en plein confinement à vendre des pompes, par exemple, c'est l'entreprise Broquet à Argenteuil, qui ont continué de vendre au Vietnam, en Russie. Donc cet aspect défensif, il est important parce que la crise, elle n'est pas encore totalement derrière nous, et que parce que si on l'a une fois, bah, les pandémies, il peut y en avoir d'autres. Et d'une façon générale, et bah, ça fait réfléchir justement à cette diversification des risques, parce que ça peut être les pandémies ou ça peut être des sanctions extraterritoriales qui ferment un marché, donc il faut être diversifié. Le deuxième point, c'est que l'international, ça permet d'être aussi offensif. Il n'y a pas que la capacité défensive. Offensif, ça veut dire qu'on va tirer la croissance de sa boîte. Et on le voit bien, Stratexio, sans entreprise dans le programme, hausse moyenne du chiffre d'affaires, alors chiffre d'affaires, ce n'est pas les résultats, hein, mais quand même, c'est un indicateur, plus de 67%. Plus de 67%, et ce n'est pas la France qui tire ce chiffre d'affaires-là. Alors malheureusement, vous me dites quels sont les freins, et je vais essayer d'être très court pour terminer. Quels sont les freins? Ben, ils sont nombreux, parce que finalement, l'international, c'est un miroir de ce qu'on est. Ça reflète notre compétitivité, que ce soit la compétitivité coût, et donc dans les coûts, ben, le coût de la main-d'œuvre, le cadre réglementaire, les taxations, la fiscalité, le prix de l'énergie, enfin, il y a plein de choses qui concourent à formuler un prix. Et puis, il y a la compétitivité hors coût, notre capacité à innover, à avoir le bon prix, à bien segmenter notre offre, à le rendre désirable, etc. Et donc, l'export est un miroir de ça. Et ce qu'on constate, malheureusement, depuis 10 ans, c'est que nos parts de marché dans le bloc européen, donc je parle de la France et de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Angleterre, pas de la France et du Bangladesh, on est passé de 17% à 11%. Donc on a atteint un point bas. Et donc nous, en tant que MEDEF, on travaille, on ne va pas faire la stratégie à la place des entreprises, mais on travaille sur notre job qui est d'améliorer l'encadrement. Et sur ça, pour avoir cette note d'optimisme et d'espoir, sur ça, le MEDEF, il a eu des résultats qui ne sont pas forcément très visibles, qui ne sont pas forcément très bien expliqués, qui ne sont pas forcément clinquants. Mais cette baisse notamment des impôts de production, ça peut sembler abstrait, la fiscalité. Mais c'est ce qui a quand même contribué à une désindustrialisation dans notre pays. Il y a plein de villes qui ont été frappées par ça quand des usines ont fermé. Et donc, en partie, je ne dis pas que c'est que ça, hein, faut pas être simpliste, c'est les impôts de production. Et là, on a une vraie baisse, premier pas en tout cas, qui vient un peu contrebalancer la hausse des 20 dernières années. Et ça, c'est important parce que si on compare avec des grands exportateurs, les Allemands, 240 milliards d'excédent commercial, 240 milliards, nous, sur les biens manufacturés, moins 60. La différence sur les impôts de production, c'était de 1 à 7. Et ça, on le porte depuis 2014. Donc l'engagement collectif, il a des résultats, et je pourrais multiplier les exemples sur l'encadrement, et nous on travaille sur ça, c'est notre rôle au MEDEF de le faire, nous on est tous des chefs d'entreprise, vous parliez de bénévolat, nous aussi on est bénévoles, et donc notre rôle c'est de faire en sorte que cet encadrement, il favorise notamment la projection internationale, qui est l'implantation à l'étranger et l'export. Donc accompagner les entreprises, évidemment, essayer d'être le plus clair possible avec ces entreprises pour notamment comprendre un peu le marché extérieur. Je me retourne vers vous, Philippe Bonafous, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes direction régionale des douanes. Oui, donc pourquoi un douanier ici? Vous avez vu l'image véhiculée par les douanes, plutôt lutte contre la fraude, contre les grands trafics, parfois contrôles qui peuvent paraître tatillons. Eh bien, bon, je voudrais, ou même le douanier qui va gâcher votre retour de vacances, mais pour lutter contre cette image, au sein de chaque direction des douanes, nous avons un pôle d'action économique. Pôle d'action économique parce que l'aide aux entreprises, favoriser leur expansion à l'international, c'est un enjeu majeur pour nous désormais.
Et cette aide aux entreprises, elle repose sur le pôle d'action économique au sein duquel j'ai l'honneur de travailler. Et je travaille avec deux collègues cellules conseillers entreprises, donc, dont le rôle est justement d'avoir des entretiens personnalisés avec chaque représentant d'entreprise qui va sur les marchés internationaux pour leur proposer toutes les facilités douanières, toutes les procédures qui leur permettent à la fois de gagner du temps et de l'argent. C'est un rapport de confiance. Le maître mot, d'ailleurs, le maître mot de l'État depuis quelques années, vous avez entendu parler de la loi ESSOC, un État au service d'une société de confiance. C'est le maître mot, rapport de confiance, qui peut aller très loin, puisqu'on va jusqu'à labelliser des opérateurs, leur donner une certification qualité-sécurité, qui leur donne un coup d'avance, puisque nous avons des accords de réciprocité avec certains pays. Donc un opérateur labellisé, quand il exporte sur les États-Unis, il est répertorié dans les fichiers des douanes américaines comme opérateur fiable. En Bretagne, on a 76 sociétés qui sont certifiées opérateurs économiques agréés. C'est un exemple, mais voilà. Et on essaye de convaincre les entreprises qu'un dédouanement bien préparé, bien anticipé, évite les blocages, fait gagner du temps, fait gagner de l'argent. Des fois, des exemples tout bêtes. Hein. Une exportation qui n'a pas été préparée sur un pays à risque pour des marchandises de haute technologie, donc qui sont soumises à des contrôles particuliers. Si on n'a pas préparé avant, la marchandise, elle peut ne pas partir. Si on a préparé avant, ça part et on a un coup d'avance sur les autres. Donc, offrir aux entreprises un maximum de facilitation, sécuriser surtout leur dédouanement, authentifier leurs procédures à la condition qu'elles anticipent leur dédouanement. Parce que deux questions primordiales, la question pour l'entreprise, c'est comment importer, exporter au plus vite, au moindre coût, et pour la douane, comment favoriser ces importations rapides, mais tout en conciliant cela avec une sécurisation des échanges internationaux. Merci beaucoup. Jean-Christophe Pieux, je me tourne vers vous concernant l'accompagnement justement des entreprises. Ce plan export de 250 millions, qu'est-ce que ça va pouvoir concrètement changer dans l'accompagnement de l'entreprise et dans aider, comme disait M. Le Sachet, l'entreprise à passer le cap? C'est important qu'on ait ce type de signaux de la part du gouvernement. On a des signaux aussi de la part de la région Bretagne. On est petit entrepreneur breton. On vous dit il faut travailler à l'international. Mais il y a plein, on parle de freins. Il y a énormément de freins. Je ne parle pas anglais. Quelles sont les réglementations? Puisque l'aspect réglementaire est super important maintenant partout dans le monde. En particulier, on a beaucoup de spécialistes de l'agroalimentaire en Bretagne. Il y a des règlements très particuliers. Il faut que dans le maquis des règles, l'entrepreneur à qui on va prendre la main, qu'on lui explique, qu'on lève petit à petit tous ses freins. Donc injecter de l'argent dans des aides à l'exportation, dans l'assurance prospection pour ne pas risquer... par des investissements en prospection, de perdre de l'argent si la prospection n'aboutit pas à un nouveau marché, les mettre en relation avec des partenaires potentiels. Enfin, il y a énormément de freins à l'export qu'il faut lever. Et je pense que le premier, c'est qu'il faut que l'entrepreneur sache à qui s'adresser. Maintenant, c'est M. Bonafous. Hein, pour les douanes, on donnera son 06 à la sortie. On a un absent remarquable aujourd'hui, c'est Bretagne Commerce International. On a la Team France Export, qui est quand même un outil qui est super important. En Bretagne, on est régi par le plan régional d'internationalisation des entreprises, le PRIE, qui ne se réunit pas assez, mais qu'il faut réunir. Et on a BCI, qui est partenaire exclusif du Team France Export. Et c'est ce qu'on souhaite depuis des années, c'est-à-dire une espèce de guichet unique. C'est pas le guichet unique parce qu'ils vont avoir le droit, l'entrepreneur a le droit de s'adresser au MEDEF et on lui recommande de le faire, aux conseillers du commerce extérieur, aux douanes, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait un aiguillage, il faut que les gens sachent où aller. Bon, le MEDEF est capable de réorienter des gens sur nous, sur BPI, sur les douanes. Mais je crois que c'est important que... J'ai des amis qui se sont lancés dans l'international from scratch et au début ils disent c'est terrible parce que je sais pas à qui m'adresser, il y a une multitude de guichets, tout le monde veut nous aider mais on sait pas par quoi commencer. Et je crois qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça, il faut mettre de l'argent, donc l'État va le faire et va le faire mieux et c'est très bien, mais c'est pas suffisant en soi. Effectivement, Monsieur Le Sachet, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Stratégio, c'est donc l'accompagnement que vous proposez aux entreprises et vous avez notamment envie de pouvoir mettre ça en place en Bretagne.
Oui, parce qu'il y a de nombreux dispositifs, hein, et vous le rappeliez, mais les entreprises, ils exportent pas grâce aux dispositifs. C'est une aide, mais on n'attend pas tout de l'État. C'est pas l'État qui va faire qu'on va gagner des marchés. Et donc, on compte en partie sur nous-mêmes. Et donc, le MEDEF a créé cette initiative Stratexio pour faire en sorte que les chefs d'entreprise, entre eux, entre pairs, puissent échanger sur la stratégie de l'entreprise dans le développement international, sur le choix des marchés, sur l'adaptation des produits et des services, parce qu'on ne vend pas de la même façon au Maghreb ou en Afrique subsaharienne qu'en France, évidemment. Donc, il faut adapter son offre. Parce qu'entre chefs d'entreprise, eh ben, on peut réfléchir ensemble à des problématiques qui sont posées. Donc Stratexio permet tous les deux mois, dans des clubs territoriaux, et c'est celui qu'on est en train de porter en Bretagne, de rassembler 8 à 12 chefs d'entreprise qui se mettent ensemble. Vous savez, on dit souvent qu'il faut jouer collectif, etc. Alors de temps en temps, il y a des grandes délégations à l'étranger, et c'est très bien. Je crois que Bessy, l'UE 35, enfin l'Ille-et-Vilaine, j'espère pas me tromper de numéro de département, organise des grandes délégations, c'est très bien. Mais après, il faut faire vivre ça en dehors de la délégation. Et même si les chefs d'entreprise se connaissent déjà, j'allais dire, à d'autres titres, lorsqu'ils se retrouvent dans un club Stratexio, c'est pour parler d'international. Et c'est très opérationnel. Et donc, on ajoute à cette conversation des experts extérieurs. On a un catalogue de 110 experts accrédités qui viennent parler justement des barrières douanières, du mode d'implantation sur un marché. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser la franchise? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des ressources propres? Est-ce qu'il vaut mieux avoir un partenariat local? Voilà, c'est que des éléments concrets qu'on traite dans ces clubs. Et puis, on accède à cet écosystème privé, MEDEF International, UIMM, France Industrie. Et le MEDEF, au-delà d'être une organisation qu'on connaît en France pour nos activités traditionnelles, on a aussi des liens avec tous les patronats étrangers. Donc lorsque vous exportez au Maroc et que vous avez une marchandise bloquée sous douane, ça peut arriver, vous pouvez appeler les douanes, vous pouvez appeler des interlocuteurs publics, vous pouvez aussi appeler le MEDEF qui appelle son homologue patronal, la CGEM, qui lui va avoir une action concrète. Donc les clubs Stratexio, c'est cet ensemble de choses, c'est une alchimie où des chefs d'entreprise décident ensemble d'avancer, de partager l'expertise, l'expérience et de solutionner ensemble des problèmes qu'ils ont finalement en commun. Lydie Kernis, quand on a échangé par téléphone, vous m'avez dit finalement on n'a pas besoin de plus de budget, mais d'être plus efficace. Alors, au-delà du budget, donc, je vais juste rebondir parce que c'est vrai qu'on se dit que dans le cadre du plan de relance français, 247 millions pour être précis, ça ne peut pas paraître pas grand-chose. Et en effet, c'est pas qu'on n'a pas besoin de plus, mais c'est d'utiliser déjà les ressources existantes et de jouer collectif. Mais au-delà de ces 247 millions d'euros entre 2020 et 2022, moi je tiens à vous rassurer sur un budget au titre de l'assurance prospection et je vous annonce le milliard. C'est qu'en fait, on a réussi, BPI France, à sécuriser pour les trois prochaines années le budget annuel de l'assurance prospection de 330 millions d'euros sur trois ans. Et là, j'en appelle à tous au niveau de la région, des acteurs, parce qu'en fait, déjà l'année dernière, j'avais plusieurs millions alloués à la région Bretagne, à mes entreprises exportatrices, les 3700 qu'elles sont exactement, qui n'a pas été entièrement consommé. Je rappelle, dans la Team France Export, qu'est-ce que BPI France ? Nous sommes l'opérateur financier. On garantit, on assure et on finance. Donc on est là pour donner du pognon. Et j'ai envie dire, pourquoi vous ne venez pas me voir à partir du moment où les entreprises ont été accompagnées, qu'elles ont une stratégie. Et c'est là que je pense que dans notre territoire, nous avons des entreprises exportatrices sur les 3700. Je crois, sans mentir, que c'est 70% d'entre elles qui ont moins de 20 salariés, qui ne sont pas structurées, pas staffées. Et je me suis engagée vis-à-vis de Fabrice, je te l'ai dit, s'il y a un club Stratexio qui se montre, je m'engage à venir inculquer, diffuser la bonne parole sur les outils financiers pour qu'elles soient vraiment coachées comme pour le sport. Moi, je fais le lien avec l'international et le sport. On ne va pas demander à une entreprise de faire un marathon. Déjà, c'est à la palme mentale, le dirigeant, qu'elle infuse cette idée d'international, et la condition physique. Et la condition physique, ça s'acquiert avec des coachs. Donc je m'engage à être la coach des outils financiers et de venir parler d'un des outils phares qui me tient à cœur, qui s'appelle la GPI, la garantie de projet à l'international. Car on sait que pour être gagnant à l'international, des fois, c'est d'être au plus proche de ces marchés et d'avoir une implantation. Si la GPI se limite actuellement au seul pays hors Union européenne, on est nuls les Bretons, parce qu'on est très présents, mais au niveau de l'Europe.
Et j'ai envie de vous dire, vous, les dirigeants, vous avez dans vos entreprises des diamants intérieurs, j'en ai parlé lors du FEB TV, c'est-à-dire des produits très innovants, des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et il faut oser aller à l'international, mais en étant au mieux et au mieux du mieux accompagné, entouré, et ne pas lâcher. Parce que souvent, on y va une fois, on est déçu, on n'y retourne pas, et c'est bien dommage. Donc, vous l'aurez compris, pour les douanes, c'est M. Bonafous. Pour les sous, c'est Lydie. Jean-Christophe Piau, j'ai envie de voir avec vous, vous êtes directeur financement innovation chez Roulier. Roulier, c'est évidemment un groupe international. Donc j'ai envie de vous mettre cette casquette-là juste quelques minutes, pour notamment quand on voit la Bretagne, c'est quand même un territoire avec énormément de PME, de petites entreprises, vous parliez de moins de 20 salariés. Vous m'avez donné une expression quand on s'est eu au téléphone, c'était « nous, Roulier, on est allés chasser en meute ». Et est-ce que ce n'est pas notamment ça qui fera le développement international des entreprises bretonnes ? Si, il ne faut pas négliger l'effet locomotive des grands groupes. Et Lydie avait raison de le souligner, il y a 70% de PME, TPE en Bretagne qui exportent et pour lesquels c'est compliqué, qui n'ont pas forcément les moyens de leur développement. Et à partir du moment où des locomotives, on peut citer Roulier, mais il y en a beaucoup d'autres, sont capables d'entraîner avec elles des PME à l'international, que ce soit des co-traitants, des sous-traitants, nous on travaille énormément avec des partenariats. On a des partenaires quasiment dans le monde entier, on commerce avec 130 pays. Et donc, on est prêt à faire du partage d'expérience et pas seulement à faire du partage aussi de marché, évidemment pas avec nos concurrents, on est bien d'accord, mais avec des sociétés qui viendraient en complément sur des solutions, des produits complémentaires. Je pense que au MEDEF, on le sait bien, mais les Allemands font ça très très bien. Chasser en meute, ils ont énormément d'ETI d'ailleurs en Allemagne, entreprises de taille intermédiaire. Nous, il y a beaucoup de PME, et puis il y a des grands groupes, et il y a peu d'ETI au milieu. Et c'est dommage, et cet effet d'entraînement est vraiment très important, parce que, quand on est PME, ben, on peut apprécier d'avoir du portage salarial par une grosse entreprise à Hong Kong ou à Singapour, d'avoir un support de ce type-là par un grand frère ou une grande sœur entreprise, encore une fois, non concurrente. Monsieur Le Sachet, comment on fait justement pour chasser en meute ? Alors, on a bien compris, hein, si on est membre du MEDEF, c'est plus simple. Non, mais c'est exactement ce qu'on pense. Hein. C'est pour ça qu'on a organisé Stratexio, parce qu'en fait, il y a beaucoup de délégations d'affaires à l'étranger. Et quand on revient, finalement, on se retrouve un petit peu seul. Et on n'échange plus sur tout ce qui s'est passé pendant le voyage, on n'a plus d'action suivie. Et ce qui fait la différence par rapport à beaucoup de compétiteurs, c'est qu'eux traitent l'international avec de la structuration, avec de la méthodologie. Et peut-être, c'est peut-être un peu caricatural ce que je vais dire, mais il y a un peu de ça quand même. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise français qui vont sur des salons, on le voit parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, qui échangent des cartes de visite, qui n'ont pas vraiment préparé le salon avant d'y aller, et qui finalement, lorsqu'ils ont un bon rendez-vous sur le salon, que ça fit bien, si le type est sympa, il parle français, parce que c'est des vraies études qui ont été faites, hein, qualitatives là-dessus, et ben ils vont faire du business avec cette personne. Mais ça se trouve, le type est un représentant nul. S'il n'y a eu aucune due diligence en amont, aucune diligence préalable pour savoir qui est dans le salon, comment je peux faire, quel rendez-vous je peux préparer à côté, quelle est vraiment la boîte que je vais cibler, avec quelle présentation je vais y aller, pour qui, etc., ce qu'on fait, moi le premier, pas forcément tout le temps, parce qu'on n'a pas le temps, etc. Ben, de temps en temps, on se met dans des voies sans issue, dans des erreurs qui vont nous faire perdre beaucoup plus de temps, qui vont nous faire perdre de l'argent. Donc de temps en temps, il vaut mieux se poser, une fois tous les deux mois, avec des pairs qui vont dire « Attends, est-ce que tu as bien regardé ça, etc. ?» On ne peut pas tout savoir tout seul, on ne peut pas concentrer toute l'expertise tout seul. Et même pour des boîtes qui sont déjà présentes à l'international, elles ont toujours des défis, parce que l'international, c'est continuel. Ce n'est pas parce que vous êtes bon aux États-Unis que vous allez être bon en Côte d'Ivoire. Et puis, ce n'est pas parce que vous êtes bon aux États-Unis que vous ne pouvez pas faire deux fois plus aux États-Unis si vous aviez un carburateur un peu mieux optimisé. Nous, en Bretagne, on a 4-5 boîtes intéressées par la démarche Stratexio, ce qui est déjà pas mal, des PME-ETI. On veut lancer le club avec Hervé Kermarek au niveau de la région en novembre. Donc, on cherche encore 2-3 boîtes pour compléter le tour de table. Aujourd'hui, Stratexio, en un peu plus d'un an, c'est 100 boîtes qui sont dans le programme, 2 milliards de chiffre d'affaires, 10 000 collaborateurs. Donc, c'est des entreprises qui font entre 2 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires
Et dans les clubs, on mélange ça, ETI, PME, industriel et même des services. Et ils s'apportent énormément. Et c'est incroyable ce qu'on voit. Moi, j'y vais dans ces journées, dans ces clubs. Et bien, c'est incroyable. Il y a toujours un ou deux trucs à récupérer d'immédiatement opérationnel. Quand on sort d'une journée stratégique, on se dit, ben, ça, je ne vais plus le faire forcément pareil. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils opérationnels, en plus de tous les dispositifs. Voilà. Et je tiens à le souligner, puisqu'on parlait de BCI, on le fait avec BCI, parce que c'est un acteur incontournable dans la région sur l'international. Et donc, BCI est partenaire de Stratexio également. Voilà. Lydie, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, au niveau de ce que tu disais, Fabrice, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, Stratexio, moi, je le vois un peu, voyez, comme un continuum et des différentes marches. La première marche d'accompagnement d'une entreprise dans son développement à l'international, c'est-à-dire pour créer du lien avec les pairs, c'est un programme et qui a toute sa logique de complémentarité avec les accélérateurs que l'on peut proposer. Certains des intervenants, je pense notamment à le dirigeant de Mitilimer, mais notamment Jacques Pidou ou le dirigeant de Siepel, Christophe Cordès, qui font tous les trois parties d'accélérateurs, filières, PME, ETI, sont très contents. Mais je veux dire, parce qu'il y a un programme sur une durée limitée, mais d'intégrer un club Stratexio, je pense que c'est vraiment de partager une philosophie et la notion d'entraide. Et ça, les Bretons, j'ai envie de dire, on sait. On parle souvent à l'international de la, non pas de la mafia bretonne, mais de la diaspora bretonne. Voilà, pas mafia, Lydie, s'il vous plaît. Non, mais je reprends les mots d'un dirigeant d'entreprise qui n'est pas là, c'est Frédéric Lescure de Socomore, qui disait que lorsqu'il se déplace à l'étranger, à chaque fois il va à l'international dans une crêperie, il va retrouver ses confrères bretons et c'est l'entraide. Et je pense qu'en Bretagne, vous, chef d'entreprise qui êtes tourné à l'international, au-delà de ce que font déjà les CCE, c'est de vous retrouver et de pouvoir partager vos plus, vos moins, vos échecs, vos succès. Ça peut renforcer cette dynamique et donner envie aux autres peut-être de passer le cap. Jean-Christophe Piau, la connaissance du pays aussi, on l'évoquait tout à l'heure. Au Conseil commerce extérieur, chaque conseiller a un pays de référence pour pouvoir notamment être au plus proche de ce qui se fait. Après, j'irai vers M. Bonafous sur la réglementation justement là-dessus. Alors, je vous redis deux mots des conseillers du commerce extérieur. C'est un réseau de 4300 personnes dans le monde. Et évidemment, nous, on est conseillers en région, conseillers bretons pour l'international. Mais on a accès à ce réseau où il y a 4300 conseillers qui sont tous rattachés aux missions économiques des ambassades et des consulats. Donc, on est un dispositif en parallèle et en complément de ce que peut faire MEDEF, de ce que peut faire BCI, auquel vous pouvez faire appel à tout moment. Vous allez voir un Breton, il va vous mettre en relation avec un Russe ou avec un Allemand ou avec un Chinois sans aucun problème. Et alors la question, excusez-moi. C'était le fait que vous ayez chacun un pays de référence, ouais, c'est-à-dire que pouvoir être le plus proche possible de la réalité en fait pour les entreprises. C'est ça. Donc comme nous, on n'est pas là pour vendre du conseil, on est là. Plutôt pour faire du partage d'expériences de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Et tous nos conseillers du commerce extérieur et nos personnalités expertes associées, j'en ai une à côté de moi qui nous a rejoint il y a quelques temps déjà, sont des gens qui, en général, soit sont spécialistes d'un pays à partir de la France, soit ont été expatriés. Moi, j'ai passé 4 ans à Dublin, en Irlande. Voilà, ça commence à remonter à 2006, donc mes repères sont un peu en perte de valeur. Mais on a des conseillers en Bretagne qui arrivent du Japon, qui arrivent du Sénégal, qui arrivent de Russie. Donc, on couvre pas tous les pays, qu'on soit clair. On est 50 conseillers du commerce extérieur breton. Mais on couvre un nombre de pays relativement considérable. J'aurais dû amener des plaquettes des CCE sur lesquelles on met la spécialité des pays ou du pays de chacun des conseillers. Donc on a des gens qui sont tout à fait aptes à vous parler du Japon, mais dans des termes très pratiques, les pièges à éviter, les mœurs japonaises des affaires, comment on aborde un partenaire japonais, etc. Donc sur du pratico-pratique. Et je crois que c'est intéressant, c'est pas suffisant, mais c'est intéressant en complément d'autres conseils qui peuvent être prodigués par l'équipe de France de l'international.
Je voulais voir, Monsieur Bonafous, concernant la crise sanitaire. On l'évoquait en préambule, que les entreprises internationales étaient celles qui s'en étaient le mieux sorties pendant cette crise sanitaire, cette crise économique. Je voulais que vous nous donniez un peu des exemples de freins, justement, qu'il peut y avoir. Vous parliez notamment de l'importation de masques. On sait que ça a concerné tout le monde pendant le confinement. Et pour que vous puissiez expliquer de manière concrète en quoi c'est important pour les entreprises d'anticiper au maximum pour éviter, justement, des blocages à la frontière et des blocages aux douanes. Oui, effectivement. Bon, les importations de masques, un peu sous forme de boutade, effectivement, quand on dit contexte favorable au développement international, crise sanitaire, les importateurs de masques, effectivement, et d'autres équipements sanitaires de protection s'en sont très bien sortis. Mais bon, au-delà de la boutade, je donnerai d'autres exemples, mais c'est un des exemples, peut-être le meilleur exemple de ce qu'on peut apporter aux entreprises, parce que importation de masques, vous en avez tous un. Un masque, il faut qu'il protège le consommateur, donc il répond à certaines normes, etc. Et pour éviter les blocages en douane, on a été énormément sollicité pendant le confinement sur ces questions-là, de normes, de taxation, parce qu'il y avait aussi des possibilités de franchise de droits et taxes, dans certains cas. Il fallait bien anticiper son dédouanement. Et quand tout avait été préparé avant, qu'on avait pu vérifier en amont si la norme revendiquée était bonne par rapport aux documents fournis, aux rapports d'essai, des laboratoires agréés, etc., il n'y avait aucun problème. Le dédouanement, il se faisait. Le délai moyen du dédouanement à l'importation en France, il est à moins de 2 minutes. Délai d'immobilisation des marchandises. Vous voyez, ce n'est pas la douane qui bloque le dédouanement, mais c'est une moyenne. En revanche, si on importe des masques sans avoir bien préparé, sans avoir la norme requise, ça va être beaucoup plus long. Voilà, c'est juste un exemple. Mais je pense que peut-être le meilleur exemple du contexte favorable pour le développement à l'international, c'est le développement des accords de libre-échange. C'est pour ça que je voudrais faire un focus là-dessus. Accord de libre-échange, c'est tout ce qui est maîtrise directe d'origine. Vous savez que l'Union européenne conclut des accords. Le dernier en date, c'est l'accord avec le Vietnam, qui est entré en vigueur au 1er août 2020. Alors pour donner un exemple concret avec le Vietnam, allez, on va prendre un produit breton, un palais ou une galette bretonne. Jusqu'au 31 juillet 2020, donc, quand on la vendait à un client vietnamien, le tarif douanier était de 22,5% de droits de douane à l'arrivée au Vietnam. Depuis le 1er août, si on utilise bien cet accord-là, il passe à 12,4% le droit de douane. Mais encore faut-il avoir un statut délivré par les douanes. Encore faut-il avoir réfléchi en amont, si on incorpore des ingrédients de plusieurs, originaires de plusieurs pays, est-ce qu'on peut bénéficier de l'accord de l'origine préférentielle? Tout ça, ce sont des questions à se poser, bien identifier les règles d'origine pour chacun des accords, bien s'interroger sur tous les leviers d'optimisation. Est-ce que je peux incorporer différents produits originaires de pays tiers dans ma galette bretonne? Et après, émettre la preuve de l'origine pour qu'à l'arrivée au Vietnam, il n'y ait pas de blocage. Voilà. Et on a beaucoup d'accords récents. Celui avec le Canada a été pas mal débattu, a fait couler beaucoup d'encre. Japon, Singapour. Et chaque fois, on a un démantèlement des droits de douane. Et l'exportateur qui fait bénéficier à son client d'un droit de douane zéro à l'arrivée, il a une avance. Autre exemple, ma galette bretonne, si je l'exporte sur la Corée du Sud, elle est taxée à 8%. Mais si elle est originaire de l'Union européenne, si je peux attester qu'elle est originaire de l'Union européenne et que je suis exportateur agréé par les douanes, à l'arrivée, le client paiera 0%. Donc, très important. D'ailleurs, mes collègues cellules conseillers entreprises, j'insiste bien, elles offrent un conseil totalement gratuit sous forme d'entretien personnalisé. Vous vous déplacez, elles se déplacent, ou maintenant on fait ça en visio, il n'y a aucune difficulté. Et on analyse tous les besoins, tous les risques, et on vous donne la réponse. Autre exemple important, le label Made in France fait vendre, c'est un label porteur. Est-ce que j'ai le droit de poser un petit logo Made in France sur le produit que je vends à l'exportation? Là aussi, il y a des règles à respecter pour ne le poser en étant en conformité avec la réglementation. Donc là aussi, on délivre une information sur le Made in France, donc il vous sécurise votre opération. Vous nous décrivez le produit, comment il est fabriqué, avec quel type d'ingrédients. On vous répond, vous pouvez ou non apposer le label Made in France. Voilà. D'autres exemples, mais ça serait peut-être un peu long, parce que sur les procédures douanières, on peut aller très loin dans la facilitation. Ouais. À peu près compris, effectivement, le principe. Au-delà de la galette que l'on fait en Bretagne, on discutait ensemble, monsieur Le Sachet, vous évoquiez la spécificité du territoire breton, et notamment, vous évoquiez les coûts de logistique. C'est-à-dire que, quand on évoquait les freins à l'export, il y avait aussi la logistique à mettre en place en Bretagne, et que, même s'il y a de très belles entreprises, qui, notamment dans l'industrie agroalimentaire, qui seraient en capacité d'export, la logistique peut être un frein. Oui, tout à fait. Chaque territoire a sa spécificité en France. On ne peut pas vouloir les gommer comme ça, ça serait totalement abstrait. On est déterminé par des réalités physiques, territoriales, géographiques et même historiques et même culturelles.
Et il ne faut pas le nier, c'est des richesses et il faut les traiter ou en tout cas les considérer. La Bretagne, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il y a eu des mouvements qui sont nés ici, notamment lorsqu'il y a eu des réglementations qui renchérissaient le coût du fret routier, parce qu'il y a des réalités fortes. Bon, voilà, tout le monde aura compris. On passera là-dessus. Tout le monde aura compris. Non, mais évidemment, on ne peut pas avoir une seule règle édictée depuis Paris, mais je pense que maintenant, tout le monde le sait, le comprend. On parle tout le temps de meilleure articulation territoriale, de décentralisation. Et en fait, en France, la décentralisation, c'est plutôt une déconcentration qu'une vraie décentralisation, parce qu'on ne fait pas réellement confiance aux collectivités territoriales. Donc on a plutôt tendance à mettre des services de l'État en plus au-dessus pour un peu contrôler ce que font les dangereux habitants de certaines régions lointaines ou périphériques. Voilà, bon. Donc plus sérieusement, ces spécificités, elles doivent être considérées, mais en même temps, on ne peut pas avoir une approche qui soit que territoriale ou, j'allais dire, très identitaire. Non, ce n'est pas vrai. On crée un club Stratexio Bretagne, OK, mais ce club Stratexio Bretagne, il sera mélangé dans les interclubs qu'on organise nationaux, aussi avec le club de Strasbourg, avec le club de Perpignan, avec le club de Mandon, avec le club de Nice. C'est hyper important parce que c'est ça la richesse. Et puis, je vais vous dire, à l'international, quand on a des rouleaux compresseurs en face, eh ben, la solidarité nationale française, elle est super importante aussi. Mais une des spécificités de la France, justement, c'est d'avoir ces identités multiples. Et il faut réussir à créer cette énergie collective et pas être trop désunis, parce que sinon, on perd un temps fou. On refait 100 fois ce qu'on pourrait faire en une fois. Donc, il faut avoir l'intelligence de la subsidiarité, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble à l'échelle nationale et qu'est-ce qu'il vaut mieux laisser à l'échelle de terrain et de proximité. Jean-Christophe Piau, justement, comment on va réussir? Parce que là, on se dit qu'il faut y aller, on a bien compris, hein, tout le monde doit aller à l'international, mais bon, concrètement, dans 6 mois, 1 an, comment on fait pour que ça fonctionne? Comment on fait pour que, notamment, le premier plan qui était mieux informer les entreprises, eh bien, ça y est, elles sont informées et on peut aller ensemble vers l'international? On a un outil moi, qui me paraît intéressant, mais qui est sous-utilisé, c'est le PRIE, le plan régional d'internationalisation des entreprises. On a des partenariats très forts entre opérateurs, mais il faut qu'on soit coordonné, il faut qu'on soit capable de délivrer un message d'ensemble qui soit cohérent, qui soit lisible, et il faut qu'on identifie les besoins du territoire. Je sais qu'au niveau des conseillers du commerce extérieur, bon, je parle de ce que je connais, on a des partenariats qui sont noués, alors pas encore avec MEDEF, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Je pense que c'est en bonne voie, de ce que j'ai compris. Je suis représentant de Roulier à MEDEF International, donc on devrait s'arranger. Mais en tout cas, voilà, comment faire? Il faut identifier les besoins, clairement. Je crois que Stratexio est un excellent outil pour faire ça. Et puis apporter aux entrepreneurs une vision claire de ce qu'ils peuvent faire, pas faire, et comment nous, on va pouvoir, et quand je dis nous, c'est la team France Export, et, y compris MEDEF International, comment on va pouvoir faire pour les aider, pour les accompagner, pour leur trouver des relais dans les pays qui les intéressent, pour les mettre en garde sur des difficultés techniques, réglementaires, culturelles dans des pays de plus en plus exotiques. Et plus on s'éloigne de l'Europe, plus y a des choses un peu subtiles à maîtriser pour pouvoir exporter sereinement. Lydie, chez BPI France, justement, comment est-ce que quel mot-clé maintenant vous allez vouloir utiliser pour encourager les, mis à part l'argent, comme dit Jean-Christophe Piau, pour encourager les entreprises à passer le pas? Alors, ceux qui me connaissent, je l'ai dit tout à l'heure lors du FEB TV sur les réseaux sociaux, j'utilisais toujours hashtag allez-vous faire voir ailleurs. Pour être plus raisonnable dans ce contexte, j'aime bien dire hashtag exportez-vous bien. Et le message que je donne aux uns et aux autres, c'est vraiment d'avoir cette méthodologie que reprenait Fabrice, de s'entourer, hein, de ne pas lâcher sur les différents sujets, parce que c'est maintenant l'international que ça se prépare, et c'est pour l'avenir que l'on engage, par exemple, des dépenses de prospection, des recrutements au niveau du service export. Dans le cadre du plan de relance, il y a tout un volet sur les jeunes, nos jeunes, les VIE, qui vont pouvoir être accompagnés financièrement via un chèque export dédié aux VIE, 5 000 euros par jeune.
On a besoin de cette force vivre à l'international peut-être, également dans nos territoires. Et j'en appelle à vous aussi pour repenser ce dispositif des VTE, volontariat territorial en entreprise. Donc j'ai envie de vous dire, entourez-vous en interne, montez en compétences dans vos équipes, rendez-vous visible, donnez une attractivité à vous, PME, et pas que nos jeunes aient envie d'aller que dans des start-up ou dans des grands groupes, parce qu'on a une force et une richesse, une diversité dans nos territoires de secteurs d'activité. Et oui, l'agro, l'agri représente une part importante de nos exportations, mais pas que. Pas que, puisqu'on a plein de métiers qui sont porteurs et où on retrouve beaucoup de sujets en lien avec l'innovation. J'ai envie de dire aussi aux différents partenaires, avec ce plan de relance, ces chiffres qui sont arrivés, avec ces directives nationales, j'ai envie de vous dire, prenons le temps de se voir, mais de réexpliquer ce que les uns et les autres ont fait pour nos entreprises, centrées entreprises, parce que je pense que c'est très important de mieux se connaître tous, de rebalayer. On a vécu des moments où on était tous en télétravail ou autre, et moi j'ai besoin de voir les gens. Donc j'en appelle à, voilà, c'est une réunion de travail, on est bien d'accord, mais je pense que ça peut être intéressant de regrouper les partenaires de l'international en Bretagne pour pouvoir réfléchir ensemble, suite aux différents échanges que l'on a avec les entreprises, comment les aider au mieux main dans la main. Je voudrais juste terminer, merci beaucoup Lily, terminer sur le Brexit, qui est évidemment plein d'actualité, et notamment pour les entreprises bretonnes. Monsieur Bonafous, on l'évoquait l'autre jour par téléphone, il y a 1000 entreprises bretonnes qui sont directement concernées et impactées par le Brexit. Oui, tout à fait. Alors, bon, on a tous horreur des incertitudes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faux départs, mais cette fois, on y est, puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne depuis le 1er février dernier. Pour l'instant, période transitoire, on reste dans un marché intérieur, libre circulation des marchandises. Mais au 1er janvier prochain, c'est fini. Donc, c'est fini, ça veut dire la frontière est rétablie, les formalités douanières sont rétablies. Le douanier qu'on ne voyait plus, vous le verrez deux fois, une fois au départ, une fois à l'arrivée des marchandises. Mais ça ne veut pas dire que les relations commerciales vont s'arrêter. On va travailler autrement, tout simplement. Là, j'insiste bien sur ce fait-là, qui est accord de libre-échange ou pas, puisque pour l'instant, les négociations butent sur l'accord de libre-échange, mais qui est accord de libre-échange ou pas, les formalités seront les mêmes. Accord de libre-échange, ça changera beaucoup de choses, puisqu'il y aura oui ou non des droits de douane, oui ou non des accords sur les normes, etc. Donc, les entreprises qui seront préparées, qui auront adapté leur process donc en termes de dédouanement et de logistique, vont gagner, elles feront la différence, elles gagneront du temps et de l'argent. Et celles qui ne l'ont pas fait, qui négligeront cette fonction douanière, vont en perdre. Alors, je ne peux pas donner de nom, mais si, pour ceux qui ont accès à la revue des DAF, là, au mois de mars, il y a un témoignage vraiment très, très intéressant d'un groupe breton sur sa préparation au Brexit. Ceux qui ont accès à cette revue, je leur conseille de le lire. C'est très, très intéressant de voir comment une société a pu adapter ses process, a pu changer ses conditions de vente, ses incoterms, a banni complètement l'incoterm ex-works pour maîtriser son dédouanement, maîtriser ses flux et sa logistique pour se préparer au Brexit. Alors, j'allais dire, nous, douane, on est prêts. On est prêts, on offre une solution de dédouanement innovante qui s'appelle la frontière intelligente. Bon, c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est un système basé sur la déclaration anticipée qui permet de faire les formalités pendant la traversée, soit sur la navette ferroviaire, soit sur le ferry. Donc, quand la marchandise arrive à quai, à Saint-Malo ou à Roscoff, parce que j'espère qu'on dédouanera Saint-Malo et à Roscoff, on est toujours optimiste pour que les rotations de ferry repartent, l'importateur saura avant même que le camion débarque du ferry si oui ou non il est en contrôle douanier ou pas. Parce que j'insiste bien sur la différence entre la formalité et le contrôle. Le contrôle, il est très ciblé, il est aléatoire. Je vous disais qu'on dédouane une marchandise en moins de 2 minutes en moyenne. Ça veut dire que le nombre de contrôles est très faible, mais il est très ciblé. Mais donc tout camion qui aura anticipé tout importateur qui aura anticipé son dédouanement, qui aura fait une déclaration d'importation avant même que le moyen de transport embarque sur le ferry, sa formalité sera faite pendant la traversée et 9 fois sur 10, file verte, il descendra du ferry, le dédouanement sera fait, la formalité sera faite. Donc ce système-là est déployé, mais maintenant il faut que les entreprises se préparent. Et pour se préparer, il faut qu'elles fassent... Elles analysent en fait leur exposition au Brexit en fonction de leur flux, de la logistique. Est-ce qu'il y a du transport de nuit? Est-ce qu'il y a du groupage? Alors je dis attention au groupage, parce que si sur un même camion il y a différents lots, un seul est mis sous contrôle, toute la marchandise qui est dans le camion est bloquée. Quels incoterms il faudra utiliser?
Bon, c'est vrai qu'on conseille d'utiliser le moins possible l'Incoterm Ex-Works parce que souvent, contrairement aux idées reçues, combien d'opérateurs nous disent « Ah mais moi, je vends Ex-Works, je m'occupe de rien, je suis responsable de rien ». Ben si, vis-à-vis de la douane, vous vendez Ex-Works, mais vous êtes exportateur sur la déclaration en douane. C'est vous qui êtes responsable de l'opération. Et par exemple, si vous n'avez pas fait correctement la formalité, si vous ne justifiez pas, si vous ne disposez pas du justificatif fiscal pour justifier l'exportation, le service des impôts peut vous tomber dessus. C'est des petits conseils. C'est des choses très concrètes. Et voilà. Très concrètes, mais est-ce que ma facture est prête? Est-ce que j'ai mis les bonnes conditions? Ce que vous disiez depuis le départ, hein, c'est anticiper. Pour que l'export se passe le mieux possible, il faut anticiper. Le temps est terminé. Nos 45 minutes d'échange sont terminées. On aura compris que les échanges vont aussi se passer en dehors de ce grand plateau. Merci à vous tous d'être venus pour évoquer ensemble ce développement à l'international des entreprises bretonnes. Merci beaucoup. Merci.